Allez, LTI ouvre sa saison des fêtes, comme il est de tradition depuis le lancement de cette émission, de ce programme télé le 12 décembre 2019. Durant deux semaines, on va dire au revoir en 2023 et on va ouvrir grand les bras pour accueillir 2024. Donc on vous offrira tous les soirs des émissions totalement fun, avec des invités qui, on l'espère, joueront parfaitement le jeu, des invités fun. Celui qui n'est pas fun, on lui dira merci d'être passé. Celui qui est fun, on le récompensera en lui disant merci. Voilà, il n'y aura pas de cadeau. Non, allez, ce sera très sympa. On a quatre invités ce soir avec quatre profils différents. Cassandra Samoa, ça fait un bail quand même. Elle est maintenant au cœur du pouvoir, donc elle n'est plus avec nous, voilà, malheureusement. Et c'est bien dommage, comme quoi la richesse parfois éloigne les vrais amis, c'est bien dommage. Julio Teco, acteur togolais qui répond ce soir à l'invitation de la télé d'ici. C'est son deuxième passage, autant que je sache. On a Zénab, web influenceuse, spécialiste aussi, j'ai envie de dire, télé-réalité. Allez, non, c'est la petite touche un peu de raillerie. On va en parler en plateau et répond ce soir à l'invitation de la télé d'ici. On est très heureux. Arsenal DJ qui revient avec sa toute dernière production. On va lui demander, je sais pas, c'est Mokutonan, enfin, de toute façon, ça ressemble à ses pas de danse. Voilà. On n'a jamais réussi à comprendre ce que ça veut dire. De toute façon, c'est le coupé décalé. Il faut juste danser, il ne faut pas chercher à comprendre. Je pense que le quorum est atteint. Il y aura de la magie puisque nous sommes lundi, mécène. Professeur ou joueur Petit Camp ou Kofi Camp, je ne sais pas, va nous visiter aussi. Gliss est en place, Sonia est en place. Une émission totalement relevée avec en toute fin d'émission la prestation d'Arsenal DJ. Voilà, planter le décor de cet autre épisode de la télé d'ici qui reste et demeure l'essentiel du fun. Du fun. Et du fun jusqu'à la fin d'année. Bonsoir, bienvenue. Ce programme vous est présenté par Lonassi Online. Rejoindre, c'est toujours un plaisir que de vous savoir fidèle devant vos postes téléviseurs, fidèle devant vos postes récepteurs, fidèle devant vos smartphones, vos tablettes, vos phablettes, vos ordinateurs. Longtemps. Ça dépend des moyens et des canaux par lesquels vous nous suivez. Dans tous les cas, on est très heureux de vous savoir en direct. Qui regarde sur la télévision du voisin. C'est pas l'heure. Oui, mais la télévision du voisin, ça reste quand même un c'est poste récepteur. C'est l'heure. Bon, allez, vas-y. Sonia va faire l'intro non, pour les voisins, non, pour non, ceux non. qui regardent les voisins. Allez, vas-y, Sonia, vas-y. Non, j'ai oublié. Moi, je suis pas aussi douée. C'est vrai. Toi, tu piques la connexion internet du voisin en revanche. Au contraire, on pique la mienne. Comment tu sais ça? Comment je sais, c'est que ouais. ça devient lent. À un moment, j'habite seule et il y a des fois ça rame, donc je suis obligée de tout le temps changer mon. Tu nous appelles. Dis-leur la vérité. Tu habites où? Un soir, elle voit qu'il y a, tu vois, il y a une agglomération des jeunes du quartier. Ils sont collés à son mur comme ça. Ouais. Et puis le vieux lui fait, Madame, vous savez ce qu'ils sont en train de faire? Non. C'est votre internet, ils sont en train de. C'est vrai? Ben oui, mais bien sûr. Ouais. En fait, si on doit porter plainte pour téléchargement illégal, tu serais quelque part complice. T'es parce que tu es. Ah oui, mais bah, écoutez, il faut sécuriser, tu ne sécurises pas. Je dois couper ma Wi-Fi avant de sortir. Ça, je ne sais pas, ça n'a pas de sécuriser ton affaire. Là, il y a Internet Club chez Sonia, tu vois. Vidéo Club, attention, c'est pas la même chose. Non, elle dit que maintenant, il y a Internet Vidéo Club. Ouais. Et Sonia vient de tu as fait la Vidéo Club, toi, à l'époque? Jamais, never ever. Si on m'attrapait là-bas. Bon, est-ce que tu allais regarder dans les vidéoclubs? Non. Parce que c'est autre chose, hein, faire les vidéoclubs. J'ai bien aimé avoir cette expérience-là, parce qu'apparemment, il y avait tellement de choses à apprendre là-bas. Ouais. Ah bon? Cassandra, ça va Cassandra? Ça va. Cassandra s'y connaît, visiblement. Hein? C'est vrai, c'est club, à quelle heure? 23h? Ça la connaît et elle connaît. Non, c'est de 23h. C'est mes cousins qui regardaient. La séance de 23h. Non, attendez, pause, il y a un problème. Tes cousins regardaient et tu en parles avec autant d'assurance. Je n'ai pas compris. Non, il me disait qu'il partait regarder des films. Bizarre, là-bas. Qui a dit que dans les vidéoclubs, on aurait des films bizarres? Ah, moi, c'est ce qu'ils ont dit, c'est ce que je répète. Julio, ça va? Oui, ça va. Je suis juste curieux de savoir voilà, vers où le sujet tend. Absolument, oui. moi, tout comme toi, je veux comprendre. Donc, on est en train de s'abreuver au savoir de la cousine, puisque ce sont les cousins qui t'appelaient, oui, apparemment. Ils regardaient, c'est tout. Voilà, et ils te disaient qu'ils regardaient des films. Voilà. Hmm. Ils étaient très contents quand ils revenaient et tout, je comprenais pas. Ils étaient pas. Que contents. Non, ils ont raison. Non, parce qu'Arsenal, lui, il allait dans les vidéoclubs. Oui, bien évidemment. Et lui, c'était le film de 75. Au moins, quelqu'un qui assume. Voilà. Oui, lui, c'était le film de 75. Non, pas c'est pourquoi quoi, la non, parce qu'il y avait des films de 25, 50.
il y avait 75 et 100 francs. 75, hein? Ah oui, ça va. Ah bon. Ouais, toi, c'était 75 et 100 francs. 100 francs et 75, oui. C'est ça. Il y a un souci. J'ai 75 et 100 francs. Les gens applaudissent fortement comme ça. On dirait que beaucoup de personnes ont. Oui, mais tu as des collègues, tu n'es pas seul. C'est ça qui est bien. Ça, c'est rassurant. Hein, tu as des gens. Tu as des gens avec toi. Zainab, ça va? Oui, ça va très bien. C'est la première fois que je te reçois. Je suis content de t'avoir. Effectivement, moi aussi, je suis très content d'être là avec vous. Alors, Zainab, elle a gagné de bachelor. Ouais, effectivement. Dans le bachelor, on embrasse. Ou c'était, c'est du fake? Oh, mais on s'embrasse. Ah bon? Oui. Mmh. OK. Effectivement, on le fait. Il y a de l'eau, pas pour moi. Pourquoi? Parce qu'on s'embrasse. Ah, c'est pas du non. Mais non, c'est... Pourquoi ça serait faux? Je ne sais pas. Enfin, moi, je suis hyper pudique, donc je pose la question. Ah, non, mais... Non, c'est du vrai. C'est du vrai? Au cinéma, quoi. Mais... Au cinéma... Quoi. Oui, enfin... Au cinéma, on n'a pas le baiser américain, ça dit en fait on se touche, on fait semblant. Uh-huh. Là-bas, c'est non, c'est pas ça. C'est pas le smack, c'est le French kiss. C'est direct. Avec la langue et tout c'est ça. Non, French. Mais c'est ça, le French kiss. Vous mettez la langue? Ça dépend. Du mood. Du mood. Tu m'arrêtes ça, Cassie. Tu m'arrêtes ça. Alors attends, c'est un petit peu l'ADN de l'émission. Oui, mais ce que j'ai vu, moi. Je pense que regardé? J'ai... Oui, j'ai vu la finale. Non, tu ne peux pas passer à côté. Je suis obligé de... Non, je connais la version américaine. Mm-hmm. Ah. Voilà, qui est un peu l'ancêtre. La version française. Mm-hmm. Après, chez nous, je me suis dit qu'ils allaient quelque peu tropicaliser, voire édulcorer un peu. Oh que non. Mm. Donc, en fait, j'ai vu que vous êtes en mode essuie-glace. Ça dit que le gars, il fait ça là et puis il fait ça là-bas aussi. Il est accepté. On est dans un contexte où c'est l'amour. Hein. Donc, ouais. Ça vient avec tout... qui englobe l'amour. Donc le mec, il vous embrasse toutes et vous n'êtes pas gênés du tout, en fait. Il fait smack ici, smack là-bas, smack... Oh, et tout ce qui englobe l'amour, je ne sais pas très bien... Non, mais attendez... Vous faites aussi? Oui. Non. Tu m'arrêtes. Non. J'ai fait... Mais j'ai dit quoi? J'ai pas dit... Tu arrives. Tu vas poser des questions. Ouais. Non. Donc, il est là. Ben, écoutez... Au départ, vous êtes combien déjà? On est 20. Cette année, on était... Donc, il fait 20? Non, il n'a pas fait 20 fois. Énorme. Non, il a pas embrassé 20 filles. Ouais. Il en a embrassé quoi, 3? Donc, OK. Mmh. OK. C'est déjà beaucoup. Non, je crois 4. Mais écoutez, on vit ça à Abidjan chaque jour. Hein. Là, c'est parce que c'est à la télé, hein, faut le dire. Ouais. Oh, c'est qui? Bah, moi, je fais pas ça, hein, moi. Pas toi, mais il y en a d'autres. Ça arrive. Là, donc, c'est juste parce que c'est filmé. Il fait A, B et C. C'est qui revient. Hein. Moi, je ne suis pas là comme B et C. Donc, je me concentre sur le A. Mais j'ai vu la séquence... Où je pense que l'autre a dit OK, je vous laisse aller tous les deux. Non, allez-y tous les deux. Après, on fait pour nous. C'était ça. Donc évidemment, le monsieur, il n'est pas payé pour jouer ce rôle-là juste pour l'accompagner, se promener à la plage et revenir. J'imagine qu'il y a eu. Écoutez, ça vient avec le. Les questions. Ça vient avec l'émission. Donc quand il a fini d'avoir l'émission, il vient maintenant vers toi. Eh ben dis donc. Pour avoir à son tour. Mais dit comme ça, c'est vrai que c'est bizarre, mais bon voilà, je me dis. Allez, dis comment on doit comprendre. On dirait un médecin qui administre des doses. Non, tu m'arrêtes ça, Julio. Elle a dit avec ses machins. On n'est pas une fiction. Aucune fiction. Non, c'est pas scénarisé, c'est pas de la fiction, c'est vrai. Mais disons que sur l'instant. Bon, moi, par exemple, j'arrivais pas à ressentir forcément de la jalousie. Voilà, je me dis, on est dans le contexte, on est là pour ça. Anyway, tu sais que tu viens pour ça. Voilà. Camille, hein. Donc, tu sais que tu viens pour embrasser un gars que toutes les filles vont embrasser. En vrai. Non, tu sais que tu viens pour chercher l'amour. Voilà. Et que vous êtes plusieurs. Ouais. Écoutez, c'est comme dans tout. Hein, chercher l'amour, quand tu te fixes des objectifs, il y a plein de choses à côté qui vont te distraire, c'est à toi d'aller de foncer. Donc, il embrasse les autres n'appellent pas visible. L'exemple. Comment ça fonctionne? Je veux dire, il y a du dentifrice après ou. faut pas demander au bachelor, hein, c'est lui qui a embrassé plusieurs filles. Moi, j'ai embrassé une seule personne, c'est à lui de demander. On vous laisse. Non, c'est vrai que j'aurai la tronche de chèque, la tête qu'il fait. Je suis sûre qu'il ne pourra jamais être bachelor, lui. Hein. Mais pourtant, il a tout. Jamais. Il dit qu'il est pudique. Et pourtant, il a tout. Comme le dit le vieux Brecré, il dit de dire que je vois ça jamais. Mais Cassandra dit que t'as tout pour être bachelor. Ah oui, il dirait sa bachelorette, il était bachelor. Ça m'intéresse encore cette conversation intimiste. Tu as dit que tu laissais tous deux. Ah, donc on sort? Voilà. Mais en fait, le but, c'est de chercher l'amour. Ouais. Là, tu as remporté le contest. Donc l'amour. Parce que c'est une compétition. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous mariez aussitôt ou... Mais ils ont beaucoup d'enfants. Voilà. Mais vous êtes vraiment ensemble? Vous vivez ensemble ou c'est juste pour le game? Personne n'entend là, tu peux me dire.
Comment ça, personne n'entend? On a coupé. On a coupé. Bon, je pense que j'ai compris. C'est vrai, je ne suis pas très intelligent, mais il m'arrive parfois de capter un peu. Mais il dure combien de temps, le jeu? 5 semaines. Non, je parlais du jeu où vous donnez l'impression que vous êtes en couple. Non, ce n'est pas un jeu. Par contre, ce n'est pas, ah, pas un jeu. Et là, vous prévoyez faire combien d'enfants, par exemple? 5. T'as pas regardé. Ah, 5. Lui aussi, 5. Ouais, non, mais après, je pense qu'on va se limiter à 2. Hein. Mais est-ce que tu ne cours pas le risque que celle qui est arrivée en deuxième position, que tu as battue sur le fil, te ravisse, en fait, le gars, finalement? Bah, écoute, il faut rester droit dans ses bottes. Hein. Je ne me sens pas en danger ou quoi que ce soit. Donc. On peut regarder un extrait de ce qu'elle a fait, là, notre chère Zeynab. Zeynab qui n'a pas fait que ça, heureusement. Apparemment, c'est une spécialiste aussi des reality shows. Quand même. Ah, y a une side aussi, voilà. Regardons ce medley. Et j'ai appris de cette personne avec qui je serais, si c'est toi, de m'élever. J'ai besoin de quelqu'un qui me montre la voie à suivre et que je puisse suivre avec toute ma confiance. Zeynab, tu penses pouvoir la trouver à moi? Je pense que oui. Ouais. Déjà, le physique, c'est bon. Et tu sais que c'est pas la seule chose. Je sais exactement. C'est plus important la personnalité et les valeurs et les principes, tout ça. Mais si la personne qui est en face de toi te plaît, c'est plus facile d'aller plus loin. C'est ce que je disais. Est-ce que tu veux bien me faire l'honneur aujourd'hui d'être l'homme le plus heureux? Accepte ma rose. Yes. Ok. Ils eurent beaucoup d'enfants. Ça, j'ai fait un moment duré. Et ils eurent beaucoup d'enfants. Ok. C'est ton prototype? Enfin, c'est ton. C'est ton. Il rentre dans ce que tu veux vraiment? Physiquement? Ouais. Oui. Ou tu t'es adapté? Non, mais je vois pas de problème avec le physique. Je non, ça... je pose des questions. Non, non, c'est moi ça me va. Non, parce que lui, il a le choix. Oui. Il a une panoplie de belles créatures, une vingtaine. Il peut choisir. Vous, quand vous arrivez, vous découvrez que c'est lui, oui, le bachelor. Est-ce qu'il y a moyen de se rétracter et de dire « Non, ça ne m'intéresse plus votre affaire, le gars, il... je m'attendais à un gars mince, il est trop en forme, et ainsi de suite. » Je ne sais pas s'il y avait moyen, mais moi, en tout cas, je craignais qu'il ne me plaise pas physiquement, mais j'ai été agréablement surprise. OK. Voilà. Bon, OK. Merci d'être là, Zeynab. Je vous en prie. Julio, ça va? Bon, OK. Julio, ça va? Julio, tu vas bien, hein? Tout va bien pour toi? Ça va? Tu veux être bachelor? Moi, je suis bachelor. Julio, lui, il n'a pas été comme moi choqué. Parce que lui, bon, allez, des séries, il en fait. Des French Kiss aussi, bon, il en livre, il en délivre, il en reçoit. Hein? À foison. C'est fictionné, donc c'est pas pareil. Oui, fictionné, mais c'est coupé, reprenez. Coupé, là, c'est pire. Parce qu'elle, encore, peut dire, allez, il y a un semblant de en one shot et puis il se fait. Toi, c'est non, je pense que tu n'as pas suffisamment bien penché la tête. Reprenons cette séquence. Et comme il est de renommée et de réputation que les réalisateurs, il paraît qu'ils sont un peu vicieux sur le bord. Non, souvent, il y a des scènes qu'ils ont envie de faire, ils font faire par les acteurs. Non, c'est vrai? Non. En salut, cas, Alex. J'en ai pas encore. Alex a pris balle. Il n'y a plus balle. Non, j'en ai pas rencontré jusqu'à présent. OK. Mais c'est vrai que par souci de créer de l'émotion dans le regard du téléspectateur, on a envie de filmer dans un certain angle. Donc, des fois, on peut prendre déjà dans un plan et on se dit non, on va changer d'angle pour voir. C'est ça. Ça te plaît? En fait, nous disons la même chose, sauf que... sauf que sans le vice. Tu essaies d'habiller, quoi. Sans la partie vice, voilà. C'est juste en d'autres mots, vous faites ça plusieurs fois. Plusieurs fois. Et le Real, comme il est très sérieux, il trouve que non, là, il y a pas trop, c'était pas trop fusionnel, il n'y a pas trop de passion, il faut que... Exact, parce que à la différence, effectivement... À la différence, ça m'intéresse déjà le début. Non, c'est la réalité et nous, on doit faire croire que c'est réel. Oui. Donc, des fois, effectivement, si on ne le sent pas, il faut refaire jusqu'à ce qu'on sente que vraiment, il y a quelque chose. Oula. Qu'on croit qu'il y a quelque chose. Donc, c'est pourquoi on va avoir dans certaines scènes, on va se dire, ah, ils sont tellement bien ensemble et... Alors qu'en fait, non, il fallait Julio, ma question, c'est de savoir si c'était vrai. Vous touchez?
Oui. C'est ça que je voulais savoir. Non, mais c'est ça. Depuis là, c'est la question qu'on non, a posée. Non, mais c'est de donner. Il faut faire croire ce qui n'est pas à la différence de. Non, c'est ce que venir, vous croyez. Je venir. Très philosophique tout ça. Il y a du contact, voilà. Alors, moi, Julio, j'espère qu'il n'y a pas ce genre de scène là dans ce qu'on va voir, dans le medley. Si c'est pour parler d'un patient, il faut prendre le temps. Vous avez du temps, j'ai une montre. Ça fait combien de temps vous êtes en France? 10 ans. C'est la première fois que vous revenez. Il n'y a que qui m'y veut, je vous dis, allez, mais qu'elle a mis là, tout à l'heure. Ouais, j'ai fait le tour du monde. Et cette femme, elle a les plus beaux yeux que j'ai jamais vus. Et quand je la regarde dans les yeux, je vois de la sincérité. Je sais pas si tu te rends compte de ce que je te propose. Connecte-toi avec moi. Non. Ça, ça sera un vrai petit déjeuner. Les croissants et tout, c'est sympa, même. Aïe, Molou. Pourquoi il est pas lourd? Ok, que personne de vous ne veut contribuer, il n'y a pas de veillée. D'accord. En fait, il faut que tu les emmènes à ce qu'eux, ils réagissent, en fait. Il y a Miaoué, on avait un anime de l'écran. Ça, putain, non. Julio Teco, dans la télé d'ici. Spécial. Fête de fin d'année, voilà. Donc Julio qui est surtout reconnaissable parmi mille par ce timbre de voix qui passe pas du tout inaperçu. Tu fais du doublage? Pas encore. Ah, Dieu merci. Voilà. Tu comprendras un peu plus tard pourquoi je t'ai posé cette question. Ok. Dans cette émission. D'accord. Parce que nos questions malheureusement ne sont jamais fortuites. D'accord. Elles ne sont aucunement anodines. D'accord. Bien au contraire, il y a beaucoup de pièges au bout du tunnel. Et tu comprendras. On a vu un extrait d'Hospitalite. Yeah. Voilà. Bon, qu'on verra également sur NCI dans quelques semaines. Juste pour la petite info. Merci beaucoup d'être là, Julio. Je disais, dans pleine émission, à l'époque, on avait une amie qui, chaque fois qu'on l'invitait, acceptait volontiers d'être avec nous. C'est Cassandra. Depuis peu, elle est au cœur du pouvoir. Elle flirte avec les gens du pouvoir. Enfin, disons qu'elle... Ah, parce que là, la flirte, elle, dans notre contexte, là, dans notre contexte, c'est un peu compliqué. Un contexte bachelorette. J'ai jamais refusé. Non, on ne conjugue pas autant du... Non, non, non. Maintenant, elle est les gens du pouvoir, quoi. Tu nous expliques un peu cette affaire au cœur du pouvoir? Mais, ah non. Ça part d'où, là? Alors, je m'explique. Oui, vas-y. Le pouvoir... On ne parle pas de vidéoclub. Là, on a fini avec... Non, le pouvoir, c'est la responsabilité. Une personne qui a du pouvoir, c'est une personne qui a pris ses responsabilités. Tous ceux, vous avez du pouvoir, Monsieur Cheikh Ivan, parce que vous avez pris vos responsabilités. On ne parle pas du pouvoir d'État lorsqu'on dit au cœur du pouvoir. D'accord. Donc voilà, donc au cœur du pouvoir et de la réussite. Donc d'accord. Voilà, je retrace en images le parcours de grandes personnalités, un peu comme vous. Comédienne slash, tu danses aussi? Non, danse. J'ai été chorégraphe. Oui, tu as été chorégraphe. Oui. Donc chorégraphie danse, là tu es à 100% dans l'animation, dans la présentation télé, avec au cœur du pouvoir, productrice. C'est moi qui produis mes émissions, oui. J'ai vu dans l'un de tes postes une fois, c'est pas facile d'être entrepreneur. Oui, parce que j'ai... Avant, tu étais salarié, maintenant, tu dois payer des gens. Mais oui, mais en tant que productrice, j'étais déjà chef d'entreprise. D'accord. C'est pas facile, oui. D'accord. Maintenant, tu as le plus de pouvoir, quoi. Exactement, parce que j'ai pris mes responsabilités. Allons voir, Cassandra, est-ce qu'il y a un extrait de au cœur du pouvoir? Regarde, regarde-moi ça. On va voir. Et depuis que je l'ai rencontré, je lui ai payé une maison, je lui ai payé une voiture, je lui ai payé un appartement aussi parce que sa mère, elle vivait dehors, complètement clochard, donc je l'ai aidé. Dites-lui, il est là, il n'a qu'à me marier. J'ai fait tout pour cet homme. Enfin, je me suis sacrifiée. Mes études, même, j'ai stoppé parce qu'il n'avait plus de travail pour l'aider. J'ai fait tout, j'ai tout donné. Donc maintenant, il n'a qu'à me récompenser, à m'envoyer à la mairie. IB. Filé là, je ne sais pas comment il s'appelle là, je ne me rappelle plus. Il me draguait, il décaisse sur moi, il me donne l'argent, il m'entretient. Tu sais, il y a sa go. Vite. Il dit à sa go, ah ma chérie, ton mari me donne gratuitement, il me gère. Donc j'ai dit à sa go. En même temps, ça a gâté. Moi, c'est ça en fait. C'est celui du sacrifice, de l'effort, de la discipline, du travail. Et ensuite, on sème et on finit par récolter. Ce chemin-là rend riche. Je voulais dire au réalisateur là, tu es pas mal, hein? Tu as quel âge? Parce que moi, je suis dans la sexy-moulance. Sexy-moulée. OK. C'était tout pour moi. J'en ai fini. Mais nous, on n'a pas fini du tout, au contraire. Tu restes avec nous, on n'a pas fini avec toi. Enfin, on n'a pas terminé l'émission. On peut se taper des barres de l'émission. Soi-même, Cassandra, tu regardes et t'es morte de rire. En fait, cette émission, on ne pourra rien dire
qui est susceptible d'interprétation. Mais c'est toi qui as démarré l'émission comme ça aussi. Parce que j'ai dit qu'on n'a pas fini avec toi. Bon, c'est pas grave, j'accepte. Oui, voilà. Et à gauche, il y a des réactions hostiles. Je ne comprends pas. On n'a pas fini avec elle. Oui, c'est clair. Arsenal a sursauté, je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas de problème. Mais oui, on peut finir. Elle prend ses responsabilités. Voilà, c'est ça. C'est une femme responsable, femme de pouvoir. Ce que j'ai bien entendu. Elle n'a pas dit vous tous. Elle a dit chèque. Ah, ok. Ah, d'accord. C'est. Je l'assume complètement. Okay. Si tu veux qu'on reparte dans le débat, je l'assume. Non, quel débat? Il n'y a pas de débat. Zeynab, tout va bien. Hein, ça va? Oui, ça va. On est dans un contexte normal. Hein. Très normal, parfaitement normal. Voilà. N'est-ce pas? La semaine festive démarre bien. C'est ça. Tu es sapé, hein, Sonia, ça va? Ah, j'ai oublié, c'est l'anniversaire de Sonia. En plus. Ouais. Oh. Et voilà. Habituellement, elle nous sert de l'échancrue façon Cassandra, comme ça. Donc, c'est vraiment à 100%. Ce soir, pour son anniversaire, elle a coupé un côté. Mais je suis mature maintenant. Je t'ai dit, ce soir, elle nous emmène en Égypte. C'est Cassandra même qui l'a détecté. Hein, tu c'est vois. Vrai? Ouais. Très Cléopâtre, c'est ça? C'est ça. Égyptienne et tout. Mais qu'est-ce que ça peut bien signifier donc pour. T'es 42, pardon, pour. pour ton anniversaire, cette tenue. Cette tenue, bah, c'est ouais. Signe de maturité. Parce que. Okay. Voilà. Les cheveux là. Rouges aussi, peut-être? Non, et ça, c'est la coupe de femmes matures. Donc maintenant, plus d'échancrure. Et puis elle assume son petit côté fofolle aussi. Hein. Voilà. Faut pas se renier, chacun. Pas du exactement. Tout. D'accord. J'espère que l'argent va suivre aussi, déborder. Okay. D'accord. Bah, écoute, joyeux anniversaire. Et merci puis beaucoup. On te souhaite que l'argent suive. Amen. On n'en a pas fini avec toi. Non, fait pas. On est ensemble jusqu'à la fin de ce programme particulier. On va aller regarder et découvrir ensemble la toute dernière production de Arsenal. C'est quoi Mokuton, Makaton, Mokutoni Mokuton. Mobutton. Mokuton. Mokuton. Ouais. Ça veut dire quoi, Mokuton? C'est le nom d'une technique de combat. Ouais. Une technique de combat japonaise. Et ok. Ouais. Ah, Mokuton. Oui, c'est dans Naruto, le manga. Ah merci. Ah. J'en ai pas encore fini avec vous. Vas-y, prends ton temps. Beaucoup de tonnes. Oui. Ça, c'est et le pas de danse, j'imagine mais non, tu que. Fais la c'est... technique. Le pas de danse, cette fois-ci, il est super, super, super léger, en fait. J'ai... Bah, tu reconnais que l'autre, il était très lourd. Oui, c'était un cauchemar total pour tout le monde. Pour Glisse, notamment. Et... Oui, oui, je sais que Glisse en plateau est à même. Elle t'a pratiquement menacé oui, d'avoir légué comme héritage culturel à la Côte d'Ivoire une danse que personne en dehors de toi et ta petite sœur. Mais Cassandra, non, mais Cassandra s'est dansée par contre. Ah, c'est vrai, ah, chez oui, les Bougas. C'est ce qu'elle m'a dit. Non, mais elle donc, est chorégraphe après. On ne sait jamais. On sait jamais. Sinon, il y a des chorégraphes qui tapent poteau dessus. Ah, chez les Bougas, bon. Chose, hein. Alors, regardez, beaucoup de tonnes. Beaucoup de tonnes. Mokuton, la toute dernière trouvaille de Arsenal DJ. Pourquoi Mokuton en fait? On a compris que c'est Naruto. Oui. Mais ça vient chercher quoi dans le coupé décalé? On a connu Konami, jeu vidéo, ouais, d'accord. Donc tu comprends que nous, on s'entoure de tout ce qu'il y a à côté. Tout ce qui est dans le jeu vidéo, quoi. Non, pas forcément. Chelubuka, ça ne veut pas dire. Mais c'est quoi le but de cette technique? Chelubuka, c'est une danse chelou. Ça, on avait compris. Oui, ça, c'est clair. Ça, c'est quoi? Beaucoup de temps parce que j'adore les mangas, j'adore les dessins animés. Ouais. Et bon, regardez déjà Rafat, Persona, Beerus Sama. On sait qu'il y a un dessin animé pour ça. C'est aussi, ça, c'est une histoire. Et bon, déjà Arsenal, j'adore Naruto. Mm-hmm. Et j'adore tout ce qui est dessin animé de combat et tout. Mm-hmm. Donc, je me dis, ce dessin animé... Et puis, il y a une histoire dans Naruto. Mm-hmm. Ceux et celles qui suivent déjà ce manga trouveront cette histoire assez géniale. L'ambassadeur de Naruto. Et désormais, avant, c'était le perroquet d'Abidjan. Ouais. Oui, ça, j'aime bien. Après, c'est devenu le RPG de l'animation. Ouais. Aujourd'hui, c'est le Hokage premier. Hein? Hokage premier. Ouais. Moi, je suis resté au perroquet. Et là, tu es aussi d'Afrique, maintenant. Ouais, Abidjan, c'était RPG de la Côte d'Ivoire.
RPG de l'animation. Le Hokage, c'est le chef du village, en fait. Okay. Donc, ce chef du village, il a beaucoup de techniques de combat. Ouais. C'est ce qui... Mais c'est un peu inquiétant, j'avoue. Hein. Pourquoi? Tu commences par Abidjan, après tu t'étends sur le truc, après tu reviens au village. C'est... il est très important... Non, métaphore. Merci. C'est un peu l'éducateur, quand même, non? Il est très important de regarder toujours dans le rétroviseur. De se ressourcer. Donc, par contre, il faut souvent aller voir les vieux. C'est ça. Bon, merci pour l'explication. Prenons ça comme ça et retenez cette explication, voilà. C'est ça qui sera valable chaque fois qu'on lui posera la question. C'est qu'il est revenu au village pour se ressourcer. Exactement. Pour se laver un peu. Exactement. Pour pouvoir attaquer à nouveau le pays. Non, comment attaquer le pays? Ou bien pour pouvoir supporter les RPG? Pour pouvoir protéger tout ce qui m'entoure. Et voilà. Bon, on a compris. Merci beaucoup. Hein. Il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle concernant Arsenal. Ah ouais? La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va reprendre en toute fin d'émission chez le Bouka sur la scène de la télé d'ici. Et que je ça va pas faire plaisir à Guise. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'il va nous jouer Mokuton sur la scène de la télé d'ici. Ce sera en toute fin d'émission. Avant ça, Guise, il y a une météo. Okage. Il paraît qu'il y a une météo en lien avec les fêtes. Météo ouais, en ouais, quelque fête, part. Ou... Il y a beaucoup de musique, en tout cas, donc oui, de la fête. Bon, allez, c'est juste ça, après. C'est ça. En vrai, sur la météo de ce soir, il souffle comme un vent de recap de ce qui s'est passé ce week-end. Fallait pas le rater. Les concerts qu'il y a eu ce week-end, notamment sur l'esplanade du Palais de la Culture, il y avait de la reconnaissance au menu pour Roselyne Layo. Elle avait annoncé son concert en blanc, comme pour dire merci à l'Éternel, faire le bilan de cette année qui a été plutôt fructueuse pour elle. Et l'événement pour ce concert-là, c'était la montée sur scène de Extra Musica Nouvel Horizon, avec elle a repris le titre Conduite à tenir. Mais avant qu'il le monte sur scène, on savait un petit peu déjà ce que ça allait donner en coulisses, avec une très très bonne ambiance. On regarde un petit peu la vidéo de la personne qui a pu s'introduire justement dans les coulisses. On sait qu'en ce moment, Roselyne Layo, tout ce qu'elle chante, même quand elle pousse un petit cri, ça fait un gros carton. On est sûr un petit peu de ce que ça va donner. Évidemment, pour jouer de l'acte à la parole, elle est invitée sur son concert, sur scène. Elle est annoncée elle-même, avec toute la reconnaissance qui va avec, encore une fois. On a quelques images de cette montée de scène-là. C'est pour moi, Roselyne Layo. Ils sont venus aussi pour vous. Ils sont venus nous faire plaisir. Depuis, on va dire 5 jours maintenant, ils sont sur la terre. D'Abidjan. Famille, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? On va accueillir mes doyens. Zapparo est là. Zapparo, tu es où? Zapparo, je veux entendre ta voix. Zapparo, je veux entendre ta voix. Zapparo, je veux entendre ta voix. À quoi vont les dix de ton chant? Ils sont venus avec leurs musiciens à la guitare. Sonore digital. En gros, on a, c'est une petite piqûre de rappel pour ceux qui étaient au concert et pour ceux qui n'étaient pas. C'était évidemment une petite mise à jour. On a beaucoup aimé les looks de Roselyne Layo sur scène sur ces différentes chansons. Et puis évidemment, comme d'habitude, gros carton. Sur la même esplanade du Palais de la Culture, il y avait un autre chanteur, mais le dimanche après, c'était K.S. Bloom pour son rendez-vous des disciples. C'est tous ces fans qui sont pratiquement réunis ce soir-là. Il y a eu aussi la succession sur scène d'artistes, notamment Didi B. Venu lui dire merci pour avoir contribué à la petite prière, ou sinon à la grande prière avant son concert au Parc des Expositions, faite par Mohamed Sanogo. Il a dit merci tonton, on a rigolé, ça s'est bien passé. Il y avait aussi Morija avec qui il a repris le titre Tcho. Claire Bailly venu esquisser quelques pas de danse. Apuchou, venu manifester le témoignage de sa nouvelle reconversion ou conversion. Fanico aussi, et surtout Onel Mala, que K.S. Bloom a annoncé comme étant l'une des stars légendaires du gospel made in Côte d'Ivoire. Et ça a donné ça. Si tu parles leader,
On est d'accord. C'est toi qui as filmé. Hein. Oui, vidéo amateur. Voilà. C'est une vidéo amateur. Moi, j'aimerais que tu le dises officiellement, c'est toi qui as filmé. Devant la nation. Non, pour qu'on sache, parce que. Voilà. On va pas mettre le crédit au compte d'un cadre de NCI, c'est grave. Je ne suis pas là pour caguer des caméramens en Côte d'Ivoire, donc ça va. Non, parce que, ouais, c'est moi qui ai fait la vidéo. Ok, c'est pas Momo, c'est pas Mathurin Badé, c'est pas Sang. Ok, donc allez, je vais ramener ce petit moment quand même. Je vous aime, moi. Et puis je termine avec cette bonne nouvelle. Félicitations à Yodé, hein, qui a convolé en justesse avec sa compagne, Ornella Tapé. Félicitations. Pour ce qui concerne la météo, au plus grand plaisir de chaque Ivan, on va observer de la brume sèche dans le nord du pays cette nuit. Pour le reste du pays, on aura un ciel généralement nuageux. À Abidjan, il fera 33 degrés. À Boaké, 33 aussi. À Korogo, 34. 34 à Bangourou. Et puis la petite citation pour vous. On ne prend pas la moitié de la cola pour faire un sacrifice. Ouais. Oui, ça, on connaît. Ça, on connaît. Ça, on connaît. Ce qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas, c'est le dos du singe qui ne voit pas la bosse. J'ai l'impression que vous aimez beaucoup les citations en fait, qui n'ont ni queue ni tête et qui ont des bosses. En fait. En vrai, c'est tout ce que vous aimez. Merci vous beaucoup, Guy, pour cette météo à retrouver tous les soirs dans la télé d'ici, même dans cette LTI saison des fêtes. On marque une pause. Cassandra, Arsenal, Zainab, Julio Tekov, restez avec nous. On n'en a pas fini avec vous. On va se retrouver après la pub. Beaucoup de surprises. À tout de suite. On lève le rideau sur ce deuxième tableau de la télé d'ici, spécial, enfin pas Noël, on n'en est pas encore à Noël. Quoi qu'on vous propose, cette année, spécial Noël particulier, ce sera lundi prochain. On ne vous en dit pas plus, mais ça sera une émission en perspective. Ça va être trop bien. Très réussi, ça va être très bien. Sonia, ça va être bien. Trop bien. Sonia, elle lit dans la boule de cristal. Vous rigolez tous les deux. Elle dit avec confiance, elle n'a pas rien fait. Non, j'ai rien fait, mais déjà la liste des personnes qu'on prévoit, c'est top. On en parle non. Merci pour on balance non. Merci pour nous. On aura Will Smith. Donc on n'est pas top, nous. Merci pour nous. Non, mais c'est comme ça, elle est Sonia. Non, on dit tout ce qu'il y a un petit mignon, c'est juste qu'ils sont petits. Ah, c'est vrai, j'ai pas vu la subtilité. Ah, c'est vrai, quand même. Non. Ce qui est petit est mignon. Mais je suis surpris d'une chose. Habituellement, entre Cassandra et Glisse, c'est constamment des palabres, en fait. Oui, non. Vous êtes en plateau dans le même endroit. Je l'ai dompté. Ah, c'est toi qui as dompté. Oui, oui. Mais tu as dompté ta maman parce que Glisse. En fait, tout à l'heure, pendant la pub, les gars, Glisse a dit, mais. Tu ressembles vraiment à maman. Glisse, il parle, oui, tu ressembles vraiment à maman. Elle s'en chante envie, là. C'est bon, putain, moi. Je connaissais la mère de Cassandra. Ma vie, donc. C'est Doty Z, en fait, sa mère. Et pendant longtemps, on a estimé que Glisse était la fille de Doty Z. En plus, on a de très bons rapports, sa mère et moi. À chaque fois qu'elle est à Abidjan, en tout cas, quand j'étais à la radio encore, elle passait me faire un petit cadeau. Elle a la chance. Parce qu'avec toi. Vous avez la même énergie aussi. Après, je sais pas, moi, là, elle m'a bloqué. Elle m'a dit, non, c'est moi la star. Tu m'écoutes pas, non, je te bloque. C'est ça. D'accord. C'est comme ça que ça marche. Elle est spéciale. Hein, ouais. Depuis toute petite. Ouais, depuis toujours. Est-ce qu'on a des photos de Cassandra toute petite? Nous, on fait de la magie. Quand quelqu'un dit des choses, on sort en même temps. Ah. On a des photos d'elle ou pas? Cassandra, toute petite. Peut-être une photo d'elle déjà. C'est mignonne. Bon, en fait, il y a longtemps que t'es comme ça. Ouais, je suis dedans. Ça, c'est toi ou ton petit frère? C'est moi. Sûr? C'est juste, c'est moi. Ah, je comprends pourquoi elle te détestait, ta mère. Non, mais là, elle est trop... Là, on sent que tu t'espiègles, là. Par contre, j'ai pas du tout apprécié les personnes qui ont volé mes chaussures. J'ai mis beaucoup mes petites chaussures. Ouais. On n'oublie jamais les chaussures d'enfance. Il y a moins une paire. C'est quoi, c'est quoi, et le maillot de bain. Ah, j'ai mis beaucoup. Là, ils ont triché. Je devais gagner, normalement. Je suis arrivée première dauphine. Ouais. Tu te rappelles encore de ça? C'est vrai que nous, quand on était petits, ils ont tous touché. Moi, c'était toujours première dauphine, alors que je l'ai mis. Ouais, non, je me donnais toujours le prix de la meilleure robe, mais donnez-moi le prix. J'ai pleuré, j'ai fait une crise. Hein. Ouais. Ah non, j'ai fait une crise. Ma mère, elle a dit, c'est pas grave, on va se plaindre à la télé. C'est vrai. C'est un ton pire souvenir d'enfance, c'est lequel? Ou de Noël, si tu veux. De Noël? Ouais. C'est que mon père m'a acheté un vélo. Ouais.
et j'arrivais, mes pieds ne touchaient pas les pédales en fait. Du coup, c'était le pire Noël, je m'offre le vélo pour quoi? C'est ça. J'arrivais même pas à mettre mes pieds au sol pour, donc j'étais juste comme ça sur le vélo pour les photos. Et tu voulais offrir à personne aussi? Non, et jusqu'à présent, je ne sais pas faire de vélo. Voilà, merci papa. Ah, c'est ça l'histoire en fait. Voilà, bon, on comprend maintenant pourquoi elle ne sait pas faire du vélo. C'est la faute à son père. Et tout à fait. Le pauvre. On a une photo d'elle ou pas? De Cassandre, de Zénab? On a même deux. C'était à cet âge-là, non? C'était non, à cet âge-là. Ah bon? Mais ah, moi, j'étais déjà crop top, nombril qui saute. Dedans. Depuis toute petite. C'est celle de derrière, c'est Cassandra. Elle était pom-pom girl. On peut faire une pause sur la deuxième photo, voilà. Déjà, bon, la première, celle-là, ouais, celle-ci, ouais. Qui au fond là-bas? Maintenant, pourquoi c'est moi? Bon, déjà, on était toutes, voilà. C'était elle qui... C'était le dress code ou c'était pas ta taille? Bah, écoute, non, non, c'est comme ça, c'est le modèle. Comme c'est le modèle, hein. Ouais, et puis, peut-être que c'est moi qui ai remonté un peu. J'ai l'impression que c'est depuis l'enfance. Hein. Depuis l'enfance. Revenons à la photo précédente. Hein, la fille du jardinier... Ah, du fleuriste. Ça, c'est Winnie, non? Toute mignonne, hein. C'est Mickey, non? Ouais. Vraiment, elle était mignonne. Ah, je devais être chou. Il y a longtemps que tu es mignonne, c'est bien. Merci. Il a dit c'est bien. Mais il a dit c'est bien. Il a dit c'est bien. Il a faim. Hein. Julio, il y a quelque chose pour Julio? Yes. Bon, ouais, c'était musclé quand il était petit. Là, le même sourire. Le même sourire. Non, en fait, lui, il y a longtemps qu'il est Monsieur Sourire, en fait. Grave. Ah oui. Et là, tu souriais à quoi? Ah ouais, à qui? Je pense qu'il y a un plat de riz qui devait arriver juste après. Ah, c'était ça? Je pense, ouais. C'est pas le photographe qui a dit allez sourire ou... Franchement, je sais pas. Je sais pas. Moi, je connais plutôt un photographe qui lui a traumatisé toute une génération d'enfants. Personne n'a plus de ce monde, mais on peut quand même parler de lui. Parce qu'il avait une façon particulière, lui, de faire sourire les enfants. Mmh. Il avait une voix rauque, façon Julio, tu vois, mais lui, c'était pire. En plus, il fumait une cigarette qui n'existe plus de Saint-Maurice. Mais lui, il disait Saint-Maurice. Et tu vois, mais lui, avec la voix, c'était Bebe. Et quand il fait ça, le gamin, au lieu de rire. Tu en as fait les frais, je suis sûr. Il t'a fait ça. Possiblement. Ah. Il n'est jamais parvenu à faire rire un enfant dans une photo. Et voilà, toi, tu as eu beaucoup de chance. Remercie tes parents pour ça parce que ouais, yeah. Tu as eu un vrai photographe. C'est très bien. C'était joyeux, hein. Franchement, tu devais être sans problème, en fait. Ouais. On a un invité, un intrus du nom de Kofi Kan. On a exigé qu'on le reçoive. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il vient faire dans cette émission. Mais c'est dans le cadre de l'instant unique. On va l'accueillir maintenant. D'accord, accueillons-le. Le riz qui n'a pas goula. Malo. Malo Ousou. Femme qui n'a pas goula. Femme qui n'a pas goula. Femme qui n'a pas goula. Elle ne s'est pas attrapée. Anya, bonsoir. Bonsoir. Et on a sapé d'air. Mia, j'ai porté le gilet, toi aussi, tu as porté le gilet. Sauf que pour moi, c'est en haut. Sonia, on ne dit pas. Joyeux anniversaire. Merci. Oui, tu as un fan qui m'a vu là, il dit croche, croche de Sonia là. J'ai dit oui, croche, croche. Moi, croche là, ça veut dire quoi? J'ai dit, tu as déjà un biscuit. Il dit, hein. Il dit, bruit que ça fait là, c'est croche là. Ah, actuellement, là, on parle de fête partout, hein. Ni en fête, ni en doux. Fête, ni en doux. Hein. À faire des fêtes là, faut pas t'amuser. Il y a un quartier là. Et ils ont fait tout. Ils ont loué Père Noël. Ça dit, il est venu avec son truc là, il l'autoigne, son voiture là. Ouais, ouais, ok. Et puis c'est les animaux qui sont devant là, ils me flèchent, on appelle lui comment, ceux qui sont devant là. Reines. Les reines là. Vous avez loué reines depuis Blofoclop. Vous avez loué reines depuis France. Moi, reine Kousma, tu es toujours dans le froid. Ils ont pris Rennes, ils sont arrivés, dès qu'ils sont arrivés à répondre net, Rennes, moi, ils ne bougent plus. Chaleur qui a commencé à frapper Rennes. On n'a pas encore vu Père Noël, hein? Hey, il est encore dans l'avion là, mais chaleur qui a commencé à frapper Rennes là. Comme ils voient s'être créé sur os là, on a lutté, on a vu des chiens quelque part, on va prendre.
Déjà, les chiens aussi, ils ont vidé, ils ont commencé à se parler, ils t'attendent. Déjà, si elle a dit à Moran, là, nous, on peut tirer Père Noël, là. Mais on veut vient de Poc, 1000 francs seulement. Maintenant, quand ils ont accepté le deal, ils doivent tirer maintenant, charrette là. C'est là Père Noël est sorti. Quand Zulina, petit Père Noël, c'est pas nos Père Noël ce qu'ils nous ont fait ici dans le truc là. 250 kilos. Il y a parmi les chiens là, et quand il a vu Père Noël, il aboie, t'attends quoi, quoi. Il a dit à quoi, il demande, il dit à son ami là, il y a pas que 1000 francs, on a demandé à ses petits, il a donné 5 000. Toi-même, tu sais que quand ils tirent charrette là, ils montent, ils ont donné itinéraire là. Ils doivent passer à Yopougon. Ils doivent passer à Bobo. Mm-hmm. Un chien là a commencé à tirer. Père Noël aussi a sonné, il est beaucoup lui-même. Ça pèse. Les chiens là sont là. Oui, oui. Oui, oui. Quand ils ont joué à Bobo, ils sont arrivés à Bobo. Ah, c'était bluff, mais là, il y a cheminé. Mm-hmm. Tu connais cheminée, non? Mm-hmm. Attends, sur toi, des bobos là, mais vous n'avez pas tout, ils ont promené, il n'y a pas cheminée. Donc il y a un de ses amis, il est chien, il dit, il est fatigué, il veut atterrir. Moi, donc on fait comme un. Ils ont. Mais je suis concentré, il n'a que mes. Donc ils doivent rentrer dans la maison là. C'est mal connaître les chiens, il y a un qui dit nia et tout, on n'a qu'à lever ton là. Va rentrer, il y a un qui dit à Bobo et à l'autre, ils n'ont pas frappé volé. C'est mieux, on n'a qu'à aller à la mairie, on va te demander permission. Noël, non, faut pas. Nia, même moi, sapé, nia, en sapé, on va faire. Pour elle, c'est mangué, ils ont déposé. Non, affaire de Noël là, hé, ça chauffe de. Actuellement, il n'était pas là, assis à quoi? Poulet. Eux tous, ils sont fâchés. Hein? Pourquoi? Ils disent que chaque fête, c'est eux, on mange seulement. Ils ont fait délégation, ils sont partis voir au ministère des ressources animales, en ils sont halieutiques. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont déposé l'aide de doléances. Oh my God. Mais, monsieur le ministre, y a qui? Nous, on te demande pardon. On souffre trop dans sauce. On souffre trop dans sauce. Nia, c'est nous, ce moment là. Mais on a un animal domestique. Quand on est étrange, soit nous, on dort pas dans la maison. Plein d'animaux domestiques qui sont chez vous là. On dit, mangez ça. Nia, il y a souris. Il y a cafard. Même comme moustique pour nous. Mangez. C'est ça. Donc, nous, on ne veut plus cette année là. Nia, on y a qui est digne. Laissez-nous tranquille. Poulet là, vous nous mangez dans toutes les manières. Il y a poulet renversé. Il y a poulet couché sur le dos. Poulet piqué. Poulet même piqué, merci. Il devient d'ailleurs, ça fait mal. Poulet crucifié. Cette fois-ci, monsieur le ministre, tu n'as pas pris mesure draconienne. On a révolté, hein. Ainsi que. Une fois, on a envoyé une maladie là. On a fait esprit, on a envoyé grippe aviaire. Si Ngawé, vous ne mettez pas votre bouche dedans, là, nous, tous les poulets, on a décidé, on va voir un Kadhafi. On va voir un Kadhafi. Tu as déjà vu poulet qui voit un Kadhafi? Non, non. Quand tu arrives dans un restaurant, il y a un. Même pas en fait tes séminaires, quand on a goûté ça, tu dis, poulet, il est mort, avant qu'on va te parler. Donc actuellement, là, ça chauffe là-bas. Ressources humaines halieutiques. C'est ça. À quoi ça a chauffé. Merci beaucoup, Confident, pour ce conseil sage. Alors, Julio, je t'ai trouvé très répondant là sur les plats. Ouais, le poulet piqué, j'aime bien. Ah bon ça fait combien de temps? C'est le crucifié, je connais pas. Ah, ça, tu connais pas. Poulet piqué, tu connais, mais le crucifié, mais... Non. Et j'ai failli le poulet dans la résurrection. Non, attends, trois jours après, tu verras. Ah ouais, le Christ. Ça va? Tout va bien, Cassandra? Ça va? Mais ce plateau. Tu as mangé quoi, toi? Parce que tu es là depuis quelques temps. Ouais, je fais plusieurs allées-venues et là, je suis en train de m'installer. Tu as mangé de tout, j'imagine? Ça dépend. T'as pas fait comme le bachelor. Je veux dire, tu...
Ça c'était pas. Non, mais c'est parce que je l'ai dit, non, Zénab, non. C'est parce que je l'ai dit, Zénab, non. Non, je veux dire, tu as mangé ici. Oui, oui. Non, j'ai mangé de la bonne cuisine ivoirienne. Ouais. Pardon. Donc ça va, tu es plutôt incollable là maintenant. Quand on parle des plats ivoiriens, ça va, tu es le plus ivoirien des Togolais, quoi, on peut le dire. Oh ouais, on peut. Un peu, t'es sûr? Vas-y, essaye, on va voir. Allez, devine-moi si tu peux, on va voir si tu sais. D'accord. Ben écoute, pas de problème, on va afficher des plats, tu me dis juste ce que c'est tout. Hein? Toi qui as mangé de tout, tiens. C'est quoi ça? Après, je ne connais pas forcément. Non. Ça, c'est quoi? Je ne sais pas ce que tu as dit. Ça, c'est sauce. Je ne vois pas très bien. Non. Faut voir bien. Faut t'approcher. Est-ce que tu as un crabe, je pense, crucifié bon. Un peu, non? Ah non, mais ça, j'ai du mal à. Bon, allez, ça, c'est la sauce junglée. Mais c'est ça, je connais. Non, mais t'as pas dit. Non, il l'avait oublié, c'est pas grave. Mesdames, soyez gentilles quand même. Mais c'est comme ça arrive pour nous, non? Bon, allez. Mais... Deuxième plat, ça c'est quoi? C'est intégré, hein. Ça, c'est sauce graine. Non, c'est la même sauce jumblée, là. Non. C'est la cali. Et puis, en plus, il met l'accent, en plus. Non, faut bien regarder, attention. Allez, plein pot. Faut bien regarder, hein. Ça, c'est... Il y a des gombos dedans. Oui, un peu, ouais, mais il y a des feuilles. Oui, feuilles, gombos. Ouais, mais c'est pas ce que tu as dit. Non, c'est plutôt la sauce untro. Ah, ça, tu veux. Bon, ok, voyons voir si tu vas trouver ce qui arrive là. Comme quoi? Mokouton. Faut le mettre en dehors de ça. Donc, le Mokouton serait-il le untro des danses ivoiriennes? On va en parler tout à l'heure. Quel chemin. Qu'est-ce que c'est ça? Mais j'ai l'impression que même les Ivoiriens là-bas, la même quoi. Même moi, je suis là. Qui va se lancer? Non, pas vous, mesdames. Pas vous deux. Non, je sais pas. Qui se lance là? Ça, c'est quoi? Zénab, allez, vas-y, Zénab. Je suis pas très plat. En fait, c'est la sauce. Voilà, quand c'est chaud, on dit non, je suis pas plein africain. Ça, c'est quoi, tu dis? C'est pas de la sauce copée? Non, c'est pas copée. Ah, c'est dans le beaucoup d'autres. Sauce longueur. C'est sauce longueur. Et toi? C'est sauce plat là. Bon, déjà, ça ne dit pas sauce longueur. Qu'est-ce que tu dis? C'est sauce longueur. Si tu ne veux pas dire ça, laisse-nous dans notre sauce longueur. Sauce plat africain. Bah, je ne connais pas. Non, ça, c'est la sauce choron. Moi, je ne connais pas. C'est la sauce de Senoufo, c'est tout vert. Et là, avec beaucoup de chance, ils ont mis, vous voyez, le piment rouge et tout, donc voilà, sinon tout est vert. Ah d'accord, il y a pas mais de... c'est vert de chez vert. Il n'y a pas de viande dedans encore, mais c'est très bon. Il n'y a pas de viande. Souvent, il n'y a rien même, c'est vert. Mmh. Ah ouais. Si tu trouves la viande verte, tu peux mettre, mais c'est vert. C'est très vert. Très vert. Verdoyant. Totalement. Il y a même de la verdure parfois. Mais pas à Korogou, là-bas, il n'y a pas de... Ça va. Bon, frère, allez, et ça c'est quoi, tiens, dis-moi. Restons dans la verdure, dans le verdoyant. C'est facile. C'est facile, c'est quoi? Sauce feuille, non? Mon cher, jusque-là, bah, tout est fait. Là, tu n'as rien dit, là. La sauce feuille, tu n'as rien dit. Mesdames, messieurs? Et en plus, j'ai mangé ça récemment sur un plateau. C'est vrai? Mais tu connais pas les noms. Dites-moi, madame, sauce longueur. Comment? Pistache. Même moi qui suis un spécialiste de la cuisine. Qui sait faire le café, chocolat et tout, omelette. Qu'est-ce que c'est? Je sais ce que c'est quand même. Je m'excuse. Ça, c'est baouin. Ah, c'est ça le baouin? Oui, c'est ça le baouin. C'est ça le fameux baouin. Zénab, c'est ça. J'imaginais, c'est ça le baouin. J'aime bien la posture, Zénab, esthétique. Tu vois, c'est. Elle est très à l'aise, voilà. C'est ça le baouin? Elle a trouvé l'amour, donc. Ah, elle a trouvé l'amour, donc ça se comprend, oui, c'est vrai. Elle n'a plus le problème des autres. Donc, c'est ça le baouin, pour répondre. Okay. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour tester la grande culture culinaire de notre cher Julio? Ça, c'est facile, si ça, là. Ça, c'est quoi? C'est papillote. Comment ça, papillote? Ouais, papillote, mais dit dans la langue. Ça, c'est quoi? Tu as dit? Elle dit papillote. Papillote? Oui. C'est quoi papillote? C'est ça? C'est les papillotes. Oui, voilà, on fait cuire le poisson dans les frites. Ah, ils se sont retrouvés. Ouais. Ah, ça s'appelle papillote. Comme les pâtes? Oui. D'accord. Cassandra, ça c'est quoi pour toi? Alors, c'est du poisson avec de la sauce tomate. Exactement. Ça, c'est le bio. Ça, c'est le bio. C'est le bio cosseux. Ah, d'accord. C'est cuit dans des sortes de jarres comme ça, non? Tu vois, mon vieil, ça là. Tu connais pas, tu connais non, pas. Non, c'est tout. Mon vieil, nous, ce qu'on connaît, c'est le résultat final. Vraiment, des jarres. C'est quoi les jarres d'ailleurs? Il est toujours habillé, les mots, il comprend pas. C'est ça, c'est facile ça. En fait, on prépare ça d'un truc. Et ça, c'est quoi alors? Ça, c'est un beignet d'enfance. Oui. Et je peux te dire que ce n'est pas mangé que par. Mais c'est un supplice, hein, parce que moi, j'ai faim depuis tout à l'heure. Ouais, toi, bon, on ne s'arrête pas. Allez. Ça, c'est quoi? C'est des noms, je ne connais pas les noms de Disney. Akbak, Aklo. Oui, c'est ce qu'on dit.
Bon, je pense que c'est ça. Akbar Klaklo. Mais chez nous, on disait boule boule. Non, non, monsieur. Ok, mais on peut dire boule boule aussi. Il ne peut pas lâcher. Allez, le dernier repas. Ça, c'est Akbessi. Ça, c'est Akbessi. Comment elle a dit, là? Akbessi. Ah, okay. Et toi, tu as une idée? Il ne connaît pas, il connaît rien. Bah, imagine ça, c'est cuisiné dans quoi, voilà. Toi, on t'a fait manger le classique. Tu as mangé donc le zeghen. Du riz. A.k.a. Garba. Ouais. Voilà. Du riz. Anciennement Gros Bras. C'est le nom à l'origine, c'est Gros Bras d'abord, avant de se faire appeler Garba. Non, je ne savais pas. Mais ce n'est pas parce que c'est Gros Bras que c'est Garba, non. C'était le Gros Bras qui Non, Garba, ça vient du patronyme de l'ancien ministre qui gérait les poissons à l'époque, et comme le faux thon qu'on mange, c'est le mauvais thon. Enfin, c'est une autre histoire. Ne nous attardons pas là-dessus, mesdames et messieurs. C'est magistral, bravo. Oui, ce que je veux dire, c'est que tu as mangé le Garba, le plakali, foutou, foufou, à checker poisson des femmes, là, sauce graine, cabato peut-être. Cabato, ou certainement, Poisson braisé. Poisson braisé. Poulet piqué. Voilà. Crucifié. Bon, toi, c'est le standard. Voilà, c'est le Mais Bawain. Mais Bawain. Il n'a pas mangé le foufou. Vous n'avez pas mangé le foufou. C'est comment c'est le foufou? Foufou. Voilà. Michel, il m'était là, il invente. Non, 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 mais je pense que j'ai mangé tout ça parce que il y a 3 ans, j'ai fait un tournage. On a sillonné un peu la Côte d'Ivoire. Ouais. Et donc, on est allé dans les contrées reculées. J'ai eu la chance de manger plusieurs plats. Parfait. Alors, je peux te dire une chose, ce qui va te faire plaisir. C'est vrai, tu as mangé beaucoup. Mais en 9 mois, tu finiras pas de découvrir la richesse culinaire de Côte d'Ivoire. Ouais, ça, c'est pas faux. Ça, c'est une certitude. Et donc, tu peux rester encore longtemps en Côte d'Ivoire. On ne va pas te chasser. Merci. On veut s'amuser à faire quelque chose. Manger de la papillote. Mokouton, tu nous as donné l'explication. Oui. L'histoire, l'historique. La genèse même de ce concept, le Mokouton. Ouais. Et désormais, tu es un peu une sorte de chef de village qui est venu se ressourcer pour protéger son entourage. Exactement. Avec ça, on fait comme si on a compris. Plusieurs techniques de combat. C'est ça. Ça, bon, voilà. Tu en sens Mori Touré, Chaka Zulu, tout ça, toi, celui. Il aura rapatrié. On a bien compris. Et qu'est-ce que tu chantes dedans, en fait? Je fais tenue du coupé décalé, c'est-à-dire un enchaînement de choses qu'on ne comprend pas. Exactement. Danser seulement. Donc, fais-moi un exemple, on va voir. Tout le monde est fusionné, Mokouton sur le côté, Arsenal et DJ, Okage est premier, maman, tac, tac. Cassandra, attends. Le coupé décalé, c'est quoi ce truc de mec? Moi, je comprends pas, la dame. Non, mais elles ne sont pas habituées à ça, en fait. Et c'est ça le problème avec le pouvoir. Tu vois, quand on commence à flirter avec le pouvoir... Coupé décalé, elle me fait une vidéo. C'est beau, chèque, je te jure. Et Zénab aussi, apparemment, était dans le même bout, quoi. Je comprends pas, non. C'est pas ça, le coupé décalé. On fait comment? Ah, OK. Voilà. J'adore Zénab. On dit qu'on danse pas comme ça, tu dis très beau, chèque. Mais il est beau. Personne ne lui a dit ça depuis tout à l'heure. Vous êtes jaloux. C'est vrai, merci. Il a lancé les bonnes. On va s'amuser à faire quelque chose, tiens. D'accord. Comme tu nous chantes des choses qu'on ne comprend pas. Voilà. Mais les gens dansent, c'est vrai. C'est le but. Comme disait quelqu'un une fois, ne cherchez pas à comprendre, vous dansez seulement. Un feu à Arafat. Là, on va te demander de nous jouer ton Mokouton en 1 minute maximum. Pas moins d'une minute, mais enfin, pas moins d'une minute. 1 minute, 1 minute 30 maxi. D'accord. Je vais donner des paroles. Ouais. Tu vas garder le truc de Mokouton. Mais il faut que tu fasses ressortir ces mots-là. D'accord. Je te les liste déjà. OK. Ça s'appelle chacun connaît son travail. Je te les liste. OK. On va t'inviter sur la scène avec un micro. D'accord. Et puis tu vas nous. C'est pour ça qu'il veut faire du doublage. Hein? D'accord. Il faut que les termes suivants ressortent. Paya, coupé décalé, rapivoire, la télé d'ici, l'argent des fêtes. Papa Noël, sort la phase. Pourquoi l'argent des fêtes, tu le dis l'argent des fêtes? L'argent des fêtes. Non, Paya, ça dépend. Voilà, Paya, coupé décalé, rapivoire. Juste après ça, chacun connaît son travail. D'accord. Bon, Arsenal qui a. Il a déjà son. Il est trop français. C'est mon Arsenal. Attends, c'est bon, allez. Bon, la Chibène a pensé à tout, il a son Arsenal. Il y a des calés qui passent en RR. Voilà, donc les mots sont dans mon dos, c'est ça. Logiquement, tu arrives à voir d'ici ou pas? Ou tu veux que je te dise au fur et à mesure? Je vais bouger un peu. Tu vas bouger un peu? Ouais. Mais on fait quoi? Ok, d'accord, ça marche. Je suis sur les écrans aussi au cas où. Mais tu l'as, écoute, juste là en face. Ah, tu es servi. Just in case, quoi. Tu l'as partout, hein. Tu peux pas te défiler, là. Est-ce qu'on peut me laisser en tout cas? On recommence.
Merci Arsenal. Je vous en prie. Mais ça, ça part pas Noël sans la phase. Oui. Non, mais nous sommes en Côte d'Ivoire. Exact. Il ne peut avoir un Père Noël qui ne s'est pas moulé. C'est pas possible. Donc, quand il donne le cadeau à l'enfant, à un enfant du Yopougon, forcément, tu as sorti une phase. Excusez-moi. J'ai entendu. Mais pourquoi vous nous dites ça? C'est qui est-ce? On va pas s'en sortir. Tu veux finir avec Mokouton. Mokouton. Elle a dit quoi? Écoutez, laissez tomber, c'est le Mokouton. Mokouton. Non. Allons la pub. Mokouton. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici, en pleine saison des fêtes, avec Cassandra, qui nous a... Cassandra. Arsenal, qui nous revient avec beaucoup de tonnes. Exactement. Zeynab, vainqueur de Bachelor 2023. Bien travaillé. J'ai d'autres choses à mon compte, mais on va prendre ça. Ouais. Non, mais j'arrive, tu vas voir. Honnête, ma chérie. Gliss, vainqueur de la météo. Je sais pas quoi d'autre. Miss Météo. Julio Teco, spécialiste des plats africains. Ivoirien. Et Sonia Don, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Ouais, voilà. Qui justifie de plusieurs décennies d'existence sur Terre. À partir de deux décennies, c'est plusieurs. À partir de deux décennies, c'est plusieurs. C'est vrai. Et ce chalet au public nous mènera jusqu'au terme de cette émission. Oui, donc j'ai parlé de. Oui, mais en fait, tu ne fais pas que ça. Ne fais pas que. La télé-réalité. Charmer des beaux gosses. Voilà. Ça, c'est. C'est accessoire. Voilà. C'est même subsidiaire. On peut s'en passer. Dans la vraie vie, tu fais quoi d'autre? Alors là, en ce moment, j'essaie de me lancer dans une carrière de présentatrice, animatrice, pourquoi pas? Parce que j'aime vraiment la télé, j'ai toujours aimé ça. D'accord. À côté de ça, j'aimerais bien poursuivre des projets à but non lucratif. Voilà, un peu ça. D'accord. Mm-hmm. Ça résume bien l'affaire? On a tout dit? Pour l'instant, c'est ce qu'il faut dire, ça va. Cassandra, tu lui as dit quelque chose? Tu as levé la main comme en classe? Oui, mais avant le bachelor, qu'est-ce qu'elle faisait? Avant c'est ce qu'elle veut faire, qu'est-ce qu'elle faisait avant le bac. Alors, on est en pleine interview au cœur du pouvoir. Vas-y, vous avez 30 secondes pour gérer cette affaire. Avant le bachelor, je bossais dans le BTP, dans le marketing. J'étais consultante achat aussi. Okay. C'est un peu ça, j'ai beaucoup évolué dans le BTP ou dans le marketing. Okay. Mais on vous a connu grâce à la télé. Grâce à Inside en 2021. C'est ça. Et ensuite, grâce à la bachelor. Sur Live TV. Okay. Tu es combative dans la vraie vie, apparemment. Bon... Ou tu es du genre à obtenir ce que tu veux? Ça dépend du contexte. Restons dans le concept très bâche. Bon, OK. Quand tu veux quelque chose, tu arrives, quoi. Voilà. Non, mais quand tu veux pas, bon, tu laisses tomber. C'était quoi les astuces, là, pour pouvoir emporter ce truc? Moi, tu as joué sur quoi? Parce que c'est un jeu. Faut pas se le cacher. Enfin, jeu de séduction. Oui, bon, moi, ma stratégie, c'était de rester moi-même. Hein. Généralement, ça marche pour moi. Donc, je me suis dit, bon, là... D'accord. Je ne vais pas changer ma tactique de jeu. En soi. D'accord. C'était quoi les atouts de celle qui était en face, l'autre finaliste? Pardon? Ses atouts, l'autre finaliste? Oui. C'était quoi ses atouts, d'après toi, qui aurait pu faire pencher la balance? Je pense qu'elle est très sensuelle. Elle est beaucoup dans la séduction. Moi, je ne sais pas si j'ai beaucoup joué sur ça, par contre. Ouais. Je lui ai posé une question, mais comme on est à la télé... Oui, moi aussi. Je lui ai dit si l'autre embrassait plus, mais c'est pas, on laisse ça. Mais laissons ça. Quand même. Tu crois à la magie? Oui. Arsenal? Un peu, quand même. Cassandra? Non. Du tout? Non, je... Oui. Mais... Non, j'ai la magie, pas la sorcellerie. Je ne veux pas avoir affaire à eux. C'est vrai? Voilà. Pardon. Magie? Ouais.
Sonia, elle n'y croyait pas, elle y croit maintenant. Mmh. Lui, elle y croyait depuis le début. Des jours. Mais il y a des moments où. Truc. Moi, j'adore rêver. On va inviter notre magicien maison. Oh, c'est Mécène. À qui on va demander expressément de se rapprocher un peu plus de Cassandra aussi, ah, puisqu'elle déteste la magie. Et nous, on aime ça quand on a des clients comme ça. Moi, juste après ça, elle vous joue des tours. Anne, il m'a trop fatigué déjà. Mécène. Bienvenue, Mécène. Tu as quoi pour nous là aujourd'hui, Mécène? Aujourd'hui, je vais faire un tour de magie en ce moment de l'année. Ouais. Tout le monde réfléchit au projet de 2024. Je croyais que tu allais dire tout le monde réfléchit à comment va l'argent. C'est ça, c'est dans le même. Ah, c'est la même chose. Oui, j'ai des projets, je vais commencer le sport. C'est ça. Je vais arrêter de manger beaucoup. Ouais. Ça, c'est tout le monde actuellement. Ça, ouais. Mais il y a des gens, là, ça fait 5 ans, c'est le même truc là, ils disent même année. Ouais. Donc, on va essayer de leur donner des petites astuces pour voir concrétiser ce qu'ils ont d'accord. dans leur tête. OK. Juste grâce à un jeu de cartes. Voilà, les séparables jeux de cartes. Ben, c'est plus qu'un simple tour de cartes parce que vous pouvez avoir des astuces. Comment concrétiser ce que vous avez en tête. Ouais. Cassandra, ça va. Y a pas de, tu ne vas pas disparaître, tu n'auras pas de tout, ça va. Non, Cassandra au PLS. Tu auras juste un peu de sens et tout. Elle a été convaincue. Il y a beaucoup de on ouvrait grand les yeux, là, elle a failli perdre la tête. Okagi est près de toi. Non, ça, c'est elle est traumatisée. Sorties, hein. Bon, vous savez aujourd'hui que voilà, c'est la seule personne en Côte d'Ivoire qui a peur des sorciers. Cassandra. Voilà. Je savais qu'elle n'est pas africaine, je comprenais depuis le départ. Je vais essayer de faire mon tour avec Julio. Sauce longueur. Allez, ouais. Je montre d'abord que tout le paquet est vraiment différent. Donc, encore moi, parce qu'elle a dit que tu es sorcier. Ouais. Non, tu veux dire quoi que lui, il a une tête de. Non, lui, lui, c'est bien. Vu que c'est notre invité en Côte d'Ivoire, il vient d'arriver. Non ok, okay d'accord. 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 Bon. Bon. Ok. Oh. Je croyais que lui a dit qu'il n'a pas peur des sorciers. Les Togo aussi, ils sont pas mal. Hein. Okay. Ici, on est pas mal aussi. Très bien. Toi, surtout. Allez, on y va. Dis, ouais. Tout le paquet est différent. Hein. Uh-huh. C'est pas la même carte qui se répète. D'accord. Je vais m'approcher de vous. Ok. D'accord. Vous allez choisir une carte au hasard. Mm-hmm. Vous me dites stop quand vous voulez. Je coupe le paquet. Ok. Top. Vous regardez. Ici. Ouais. Je coupe ici. Ouais, ouais, ouais. Allez-y, prenez la carte. Sans la montrer, naturellement. Regardez ça vous-même, ne me montrez surtout pas. Ok. Glisse peut voir aussi. Oui, oui. Glisse, allez, vas-y. Sonia, non, tu peux voir aussi au cas où Glisse oublie, parce qu'elle a faim. C'est bon? C'est bon, ouais. Vous pouvez garder la carte cachée là sur la table. Comme c'est ça. Fait. Ouais, exact, c'est fait. OK, là, vous avez une carte en tête. Mm-hmm. C'est votre imagination. D'accord. Ici, j'ai un fil de fer. Je ne sais pas si on le voit là. On va voir pour attacher Cassandra. Ah oui, j'ai un petit fil de fer ici, mm-hmm. que vous pouvez vérifier. Non, elle ne veut pas toucher. C'est bon, c'est... Oui, allez, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est l'élément nécessaire pour pouvoir concrétiser ce que vous avez en tête. D'accord. OK. Mais on ne peut rien concrétiser si on n'a pas... notre petite flamme qui est à l'intérieur, on est d'accord? Mm-hmm. Ce qui vous motive, mm-hmm. les petits conseils qu'on ne fait pas attention, ouais. c'est tout ça. Mm-hmm. C'est d'ailleurs la lumière qui nous éclaire, même les moments les plus sombres. Mm-hmm. Ah bon, hein? La magie, la philosophie. Même quand c'est eu courant, tu peux éclairer aussi. Il parlait du briquet, il ne parlait pas de vos vies. Hein. Okay. Non, mais vous pouvez prendre ça. Exact. Pour votre vie aussi, mm-hmm. c'est pareil. Mais c'est un coach. Le plus important dans tout ça, mm-hmm. c'est de passer à l'action. Très bien. J'aime bien le passer à l'action. Ah, ça bouge là. Oui, bon, comme je connais pas votre carte. Hein. Je connais pas votre carte. Hein. Oui. J'ai l'impression que Cassandra a son cheveu qui brûle aussi. Là. Ta carte, c'est un 7. Ah, c'est d'accord. un 7 donc, là. Attends. T'as qu'à se reculer un peu. Ah, c'est un 7 de cœur. Mais non. Mais non. On peut voir ou pas? Mais non. Mais on monte à la caméra? Mais non. Allez, non. Vas-y, mais allez. Non. Mais non, mais non, mais non, mais non. Ah, good job. Ah, allez, 7 de cœur. Hein. Bon, on va m'appeler la carte, voilà, c'est ça, 7 de cœur. Cassandra, t'as raison. Ouais. Bah voilà, vous avez tous les éléments. C'est bon, on l'a pas à l'écran, hein. On veut juste voir la carte, voilà, c'est ça, parfait. Donc 7 de cœur. Bravo, Mécène. Merci, Mécène, merci d'éclairer nos vies et d'attiser les peurs aussi. Tu peux lui envoyer à Cassandra, par exemple. Au revoir. À très bientôt. À bientôt. Mais tu peux la saluer, au revoir. On va la garder en souvenir. Mécène, tu peux saluer Cassandra, au moins. Au revoir. Voilà la question. Au revoir, elle a eu peur. Elle a eu
peur viscérale des magiciens, je ne sais pas je pourquoi. Je n'aime pas les liens de famille, les liens des sorciers. Ouais. Je n'aime pas tout ça. Ah bon? Liens de sorciers. Oui, moi, je suis une femme pure. J'aime la paix. Je ne veux pas avoir affaire à ce monsieur. J'ai vu ce qu'il m'a montré dans l'autre émission. Donc, Mécène est impur. En d'autres termes. Est un? Il est impur. Ah non, pas qu'il est impur. Mais il pratique des choses qui me font peur. Ils sont impurs. Non, j'ai jamais dit ça. Comment vous mettez en parole avec ça, un français que nous, on peut comprendre. On va voir. Il fait des choses qui sont... Qui font peur à mon âme. Ça. C'est fort, hein. Tu as déjà vu ton émission. Âme. Oh my God. À travers toi, je la vois tous les tu jours. Tu as vu ton âme? À travers toi. C'est bon, ça. Hein. Vous dites ton âme, à travers toi, je vois mon âme. C'est pas ça qu'on appelle âme sœur par hasard. On dirait, hein. Ça, c'est pas Bachelor, mais là, c'est pas Bachelor. Non, c'est un pas me former pour la suite. C'est Mario au premier regard. C'est toi qui dois me former, même. Moi, j'ai vu. Il y a le coach maintenant au milieu. C'est du akoutane. Non, mon couteau. Mais lui, il va pas repartir. Je pense qu'il va Je pense qu'il n'a pas encore bien bouffé. Non, faut concentrer vous. C'est vrai. Il faut que je répète. Mais c'est quand même curieux, venant d'un acteur qui mémorise des textes et tout. Je mémorise tout sauf les noms. Sauf les noms. Les noms, il faut que je répète. Ça veut dire que pendant le tournage, beaucoup de fois, tu trompes, quoi. Tu fais la scène avec Zénab, par exemple. Zénab. Je t'aime, j'aime beaucoup ta silhouette et tout. Pourquoi... Et après, tu réalises qu'en fait, c'est pas Zénab, tu dois dire c'est Cassandra. Donc, on non, non, non. Il mais pas la vérité. Ce que je fais, par contre, c'est que pour vraiment mémoriser mes scènes, c'est-à-dire à chaque fois que je vais croiser, que ce soit Cassandra ou Zénab dans un couloir, je vais lui dire. Pas un couloir. Ouais. Pour le coup. Sur un plateau. Aujourd'hui, il est dans un mood. Dans un couloir, oui. C'est mieux. C'est chaud, hein. En fait, faut pas t'en donner une, quoi. Ouais, oui, non. Il veut en donner un. Tu connais ça en boule rouge? Non. Toi, tu connais en boule rouge? Qu'est-ce que c'est? Elle connaît. En fait, elle connaît. Quoi, toi, qui est le cousin, tu fais des vidéos. Toi, tu connais en boule rouge. J'ai l'impression que tout le monde sait, sauf moi. C'est quoi toi, Zénab, tu connais? Non, non. C'est pas ta belle loupe, là, celle-là. Tu connais en boule rouge. Non, non. C'est quoi en boule rouge? C'est une expression ou... Non, non. C'est une ampoule rouge. Ah, les LED, là. Les LED. La lumière qui s'allume. Je suis clueless. Ah, non, mais après, c'est... Mais ampoule rouge ou bleu, c'est la même chose. Oui. Mais ce n'est pas une expression, hein. Faut le prendre littéralement. Ah, OK. C'est une ampoule rouge. C'est une ampoule rouge dans la chambre. Non. Ah, vous avez vu? Vous avez vu? Elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. C'est pas dans la chambre, c'est devant la porte. Elle connaît ça, elle n'est pas loin. Elle va dire trop but. Non, ce que je connais, c'est la lumière rouge excite. Pour dire échappe. Ah, toi, c'est ça que tu sais. Elle était dans la chambre, lui, là, ça a excité, ouais. Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce que tu m'arrêtes ça, Sonia. Mais qu'est-ce qui se passe sur ce plateau? Alors, ampoule rouge, c'est l'histoire de... Il était une fois un peuple non ivoirien qui, par la force des choses et par le fait de la guerre, s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Et ce peuple a élu domicile dans certains quartiers d'Abidjan, principalement des quartiers populaires. Et ce peuple étant en situation difficile, a vu ses ressortissants habiter des maisons qu'on appelle des entrées couchées. C'est-à-dire, quand tu rentres, tu te couches. Oui. L'histoire s'arrête là. Okay. D'accord. Regardez les gens. Regardez. Je viens de comprendre. Regardez. Vous attendez une suite, c'est l'ambiance ça de ce plateau aujourd'hui. Vous êtes arrivé à cette émission. Vous êtes arrivé à cette émission pour qu'on vous raconte l'histoire de l'ampoule rouge. Et moi, je ne suis pas vous seriez rentré chez vous à la maison. Alors, vous avez vu quoi à la télé d'ici non, on a pris l'histoire de l'ampoule rouge. Et c'est moi qui vais vous raconter l'histoire de l'ampoule rouge. Demandez au cousin de Cassandra, les gens de Vidéoclub. Bon, chantons un peu. Ah, tu disais tout à l'heure que l'ambiance est un peu ouf. Oui, c'est chaude. Bien. Je t'avais tout à l'heure bougé là sur le truc de coupé décalé. Toi, tu fais le truc des Miss là. Les Miss, c'est comme ça. Salut, toi, c'est coupé décalé. Ça, c'est quoi? C'est notre danse à nous deux. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est une danse à nous deux. C'est quoi? C'est une danse à nous deux.
Non, en vrai, dans la bourgeoisie anglaise, par exemple, quand tu bois du thé... On te laisse le droit comme ça. Voilà, c'est un signe de... Comment dire ça? Mais la bourgeoisie anglaise voilà. A quoi? Ouais, non, tu peux décaler. Elle a le pouvoir bleu de la bourgeoisie anglaise. Franchement, on n'a pas... On le meilleur des deux mondes, voilà. Il y a une qui nous parle le baouin, il y a une qui parle le sauce longueur. Ouais. Bon, allons chanter, c'est mieux. Hein. D'accord, on va chanter. On va écouter et entendre Zeynab chanter un peu. Il paraît que tu es une grande chanteuse. Ah bon, bon. Vos sources, ça, c'est le... pas dire. Ça, c'est les indiscrétions de Sonia. Hein. Mais là, oh vérifier. Non, Sonia, waouh. Mmh. Mais en tout cas, la chanson... Je te donne la possibilité de choisir un titre. D'accord. Ne te loupe pas parce que la nation te regarde au même titre que la nation t'a regardé gagner. Je vais lui chanter. Bon, bah... Rap, en fait, ta meilleure amie te connaît vraiment. Donc, je sais que c'est le même titre. Un truc ivoirien. Un truc ivoirien, d'accord. Aïcha de Didi B. Ça te va comme ça? Ouais. Bon. Faut que je chante. Hey, mais... Vous voulez l'entendre chanter Aïcha de Didi B? Mais vous êtes vraiment mauvais. Allez, Aïcha de Didi B by Zeynab. Ah! Attends, je t'aime. Non, non, non. Zeynab, tu viens là, viens. J'aurais encore aimé être sur la scène. On va accompagner Zeynab, on va l'encourager. j'avais pas vu la tenue. Non, tu peux te mettre là. D'accord. Tu restes là, ne t'inquiète, parce qu'en fait, tu vas devoir lire le texte là. Reste là, c'est bon. Ok. Ok, j'avais pas vu la tenue, ok. Il y a un micro ou pas pour Zeynab? Vous avez ma chanson de Koumo aussi. C'est bon? Je la connais okay. Même pas, cette chanson. Non. C'est bon? Sur la scène ou pas, monsieur le Réal? Je connais pas. Fais comme ça. Sur la scène, oui, mais il faut qu'elle lise le texte aussi. Bon, allez, viens. C'est bon. Voilà. J'aurais voulu chanter. Ah ouais, t'aurais voulu chanter? Allez, Zeynab, le micro, il t'appartient. Mais là, c'est vous me faites vraiment fort. Hein. C'est quoi ta faute, c'est ça? Bon, faites fort, j'ai pas compris. Ça veut dire quoi, faites fort? Vous m'avez eu. Ah, c'est ce que ça veut dire. Ah, on voilà. T'a eu. D'accord. Vous me faites fort. Bon, OK. Désormais, vous me faites fort, ça veut dire vous m'avez eu. Il faut noter ça dans le dictionnaire des expressions. Mais inédites. Pourquoi moi, en fait? Allez, on va voir ce que ça donne. Aïcha de Didi B, est-ce que je connais cette OK, je compte sur vous pour... Pour applaudir. Ah bah non, on n'est pas obligé. Okay. Hein. Bah écoutez, 3, 2, 1, on peut y aller. Allez. Allez, c'est bon? Ok. Courage. On peut y aller? On est connu, c'est dommage. On fait quoi s'il n'y a pas l'argent? Fanboy depuis le collège. S'il y a trois gauches, je fais collage. Ces devis me découragent. Pensez qu'on avait tout gagné. C'est l'argent qui me soulage. Ma chérie, t'as beaucoup de courage. Allez, allez Aïcha. Je t'aime bien, mais y'a Marie-Jeanne. Tomber l'homme, ça ne m'arrive pas. On promet, mais on marie pas. Aïcha. Qu'est-ce qui m'arrive hein? Je sais le mal qui te fit, non. Elle mais je me sens pas là. On peut... ouais, merci. J'habite facilement. Facilement. Yougouba. Aïe, Yougouba. Je ne donne plus rien, je me lance. Et... oh mon dieu. Bon, en boîte, c'est plus facile. C'est facile de chanter, hein. Je croyais que je connaissais les paroles, mais pas du tout, en tout cas. Nous, je veux poser. Allez, Aïcha. Chaque, il a dit non, non, non. Merci beaucoup, Zeynab. Bon, j'ai fait de mon mieux, en tout cas. C'était bien, ma chérie, bravo. Merci d'applaudir. Nanana. C'était super. Nanana. Aïcha, nanana. Didi B, je te demande pardon, j'ai massacré le son. Mais au moins, on apprend une chose, sa meilleure amie la connaît vraiment, parce que quand j'ai demandé quelle chanson elle choisirait, ouais. Elle a dit... Ah, si, aussi, c'est comme non, ça. Mais oui. quand on est en boîte ou au club, quand ce son passe, ouais. Apparemment, je mens dans la chanson. Donc, ouais. Au club. Désolée, Didi. D'accord, bon. Mais c'était bien quand même. Hein. Oui, désormais, on sait si tu chantes bien ou pas. Et on sait ce que tu fais en boîte. Il y a beaucoup de né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 n
Oh là là. Quand tu fais quoi, pardon? J'ai pas envie que les âmes malades, il est pas propre. Ah. Bon, Arsenal, tu peux tomber malade. Hein? Allez, toi qui as pris, il n'y a pas de problème. Hein? Et Zénab, à côté, tu la touches, tu vas tomber malade aussi. Merci. Et comme après, Zénab fera la bise à Gliss pour lui dire merci d'être passé, elle va refiler aussi de toi. C'est comme ça que ça va passer. Mais je vais refiler ça, t'inquiète. Bon, allez, on va regarder l'extrait. Vous allez vous imprégner du texte. Après, on va rebalancer l'extrait avec le texte en dessous. D'accord. Et vous vous laissez aller. Je pense que d'accord. Réponse, je sais pas si je prononce bien. Mmh. Réponse, c'est toi, Cassandra. Mmh. Réponse. Et Prince, ben, c'est Julio Teco, le prince togolais. OK, mmh. D'accord. On écoute cet extrait et on regarde. OK. Et comment êtes-vous arrivé jusqu'à moi? Qui êtes-vous et comment êtes-vous arrivé jusqu'à moi? J'ignore qui vous êtes et je ne sais comment je suis arrivé chez vous. Mais permettez-moi de vous dire... Salut. Comment ça va? Moi, c'est Flynn Rider. Alors, la vie est belle? Oh, qui d'autre connaît l'endroit où je me cache, Flynn Rider? Du calme, jolie. Réponse. Je vais répondre. Alors voilà, j'avais quelques soucis. Je me baladais dans la forêt... J'ai aperçu la tour et je me... Oh, oh non! Où est ma sacoche? Je l'ai cachée. Quelque part où vous ne la trouverez jamais. Elle est dans le pot, c'est ça? Voilà, donc voilà planter le décor. Réponse et Prince. Alors, LTI Dubbing Studio, c'est bon? Ça va s'afficher en dessous. Il va falloir être très alerte. Ça va, ça va. Quand vous êtes ready, on peut y aller. Go! Une bande rythme. Qui êtes-vous et comment êtes-vous arrivé jusqu'à moi? Qui êtes-vous et comment êtes-vous arrivé jusqu'à moi? Je sais. Je suis arrivé chez vous, mais permettez-moi de vous dire salut. Comment ça va? Moi, c'est Flynn Rider. Alors, la vie est belle? Hein? Qui d'autre connaît l'endroit où je me cache? Du calme, je... Réponse. Alors, voilà... En fait, je lis rien avec le rouge, en fait. C'est... J'ai aperçu la tour et je me... Je l'ai cachée. Quelque part où vous ne la trouverez jamais. Ah, et dans le pot, c'est ça? Avec le rouge, c'est un peu... Ouais. Bon, allez. Allez, t'es doué, hein. Il y a une bonne résolution, en tout cas. Merci, en tout cas, c'était pas évident. C'était pas évident. Mais t'as déjà la voix qui... Oui, ouais, oui. Oui. Je me serais bien amusé avec son texte en bleu, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu veux être la réponse? Attention, vraiment. On a compris. Il était plus visible, le texte en bleu. On va marquer une pause. Arsenal sera dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici pour clore tout ceci. Ouais, hein, il va nous jouer, notamment chez Libuka. Et puis, que serait sa venue? Vous parlez comme un Ketouké et son... du Mokuton. Exactement. Mokuton. On dit Banzai ou... Non, Mokuton. Tout coup, quoi. Tu appliques la technique et... Ah, la technique du... Oui, il y a... Suite, hein. Allons à la pub. Sur le plateau de la télé d'ici pour le tout dernier virage de cette émission totalement fun. On a une question à te poser. Il fallait tôt ou tard finir cette émission. Je ne sais pas un tôt et tard. Ah non. C'est quoi la question? Si tu étais à la place du bachelor, tu avais plein de femmes dans un arène pour toi, qu'est-ce que tu ferais? Plein de femmes pour moi dans un arène. Bah, qui veulent t'essayer. Je lui aurais offert un gâteau pour son anniversaire. Ah, belle transition. Il est doué. Bon. Joyeux en djoula, à la Essidima. On veut embêter là. À la Essidima. À la Essidima, Sonia. À la
décidément. C'est sûr que les gars derrière, ils feront pas carrière dans la musique. Ça, c'est sûr. Joyeux anniversaire, Sonia. Merci, Buzz. Voilà, merci tout le monde. On t'offre un peu plus de sucre dans ta vie. T'aurais pas un compliment, toi qui es la spécialiste des compliments? Elle n'a que des compliments pour toi, elle. Elle est gentille. Mais c'est tout. Non, c'est moi, c'est elle. Échec. Cassandra. Est parfait. Merci beaucoup d'être passée, Cassandra. Okay, merci pour la robe. Hein. C'est dommage qu'on l'ait découverte tardivement. Ouais, mais lui, il est coquin. Hein. Hein, on aurait mis ça tôt, ça aurait été bien. Hein, Zeynab. Oui. Merci pour ce moment. Je t'en prie. Mm-hmm. C'était un plaisir d'être là avec vous tous. Ouais, plaisir partagé. Gliss, à demain. À demain, chacun. Gio, merci. Merci. Sonia. Yes. Joyeux anniversaire. Merci encore. Beaucoup. N'oubliez pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous a rappelé la discussion. Arsenal DJ Okej est de retour, le chef du village qui nous livre donc Mokuton, sa toute dernière production. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Attention. Arsenal le perroquet d'Abidjan, un petit naga ici de côté. Très très bon. Mamou, Toubé, J. Allez, Fouka, 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 Fouka. Aïe, tout le monde est positionné, j'en fais ma maman. Et tu demandes, j'ai ma maman, demandez sur le côté maman. Tout le monde est positionné, j'ai l'oumouka, Abidjan, ça va tuer. Yéta, yéta, dis donc. Amour comme cueillu de la rose, Jean-Pierre me dit, Mamdou, ça aussi tu vas mouler. Gâtez-moi, gâtez-moi, allez, gâtez les coins, gâtez les coins. Oh Diago, Diago, oh Diago, Manila, allez Diago, oh Diago, tu vas dire Coco, Coco. J'aime pas, je vois du Dieu. Oh y'a mon qui ton cojo de l'ombre bade comme maman. Oh y'a Sylvester qui est l'impérialé. Allez joli joli bambou, joli joli bambou. Allez joli joli bambou, joli joli bambou. Le rossignon mouloukou y'a pas d'amour sous bas c'est à comme l'identité. Ah, Daouda Faya. Tu vois. Chez Loubouka, chez Loubouka, chez Loubouka, chez Loubouka, Nyata Nyata, chez Loubouka, Tolé, on a tout baga chez Loubouka, on a tout baga Nyata Nyata, on a tout baga chez Loubouka, chez Loubouka. Frigidi, Afrigidi ma, Frigidi, Frigidi ni, Frigidi, Afrigidi ni, Takunda Kunda, Takunda Kunda, Takunda Kunda, Takunda Kunda, Takunda Kunda, Kunda 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 Marcel et Duc. Où sont passés les oiseaux, maman? On va s'envoler, s'envoler. Petit, s'envoler, ma. Chez Loubouka, tous les cas. Oh, maman, bina cabina, tole. Oh, yon a bébé, na bina cabina, tole. Tu vois, position. Tu as fini, hein? Il a calé comme un papa calé Grégoire. Ma cou à deux. Ton pardon, hein? Tutu. Oh, pardon. Oh, oh. Tout le monde, tapez, tapez, tapez les mains. Tapez les mains. Petit pas, tiens, solé. Petit pas, oh. Tutu. Oh. Tout le monde, tu. Quand tu vas en bouger. Je l'oublie, c'est le côté. Allez.
Ça peut aller? On continue ou on... D'accord. Allons-y, position. Sur le côté coca qui prenait toujours des colos, la télé d'ici, oh, oh, oh. Yé, maman, la cita, compagnie, DJ, Asena, le gang est premier. Yé, maman, la cita, compagnie, pour la scène, les AO, tout le monde danser. Ce sont dans les vieilles mamies qu'on fait les princesses du coup, Benegalé. Chauffer là. Arsenal qui nous réconcilie avec le coupé décalé originel. Merci de l'applaudir. Very good job. Bravo. Merci. Bravo.
Ce programme vous a été présenté par Lunacy Online.